Je m'appelle Elitsa da Silva. Un jour, ma jeune sœur m'a appelée tout enthousiasmée. Elle m'a dit, j'étudie la Bible et les leçons sont très bonnes. Viens et nous pourrons étudier ensemble avec les missionnaires. En entendant l'enthousiasme dans la voix de ma sœur, ma curiosité a été éveillée et je l'ai rencontrée avec un couple de travailleurs bibliques mariés. J'ai étudié la Bible avec le couple presque tous les jours. Les leçons bibliques me fascinaient. J'ai appris le grand amour de Dieu pour moi. J'ai appris qu'une façon de montrer mon amour à Dieu était de l'honorer avec mon corps, notamment en mangeant des aliments propres. J'ai appris qu'une grande façon d'aimer Dieu était de respecter ses commandements. Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». J'étais particulièrement intéressée par la lecture des 10 commandements. Je n'avais jamais entendu le 4e commandement qui commence ainsi « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». J'ai décidé de sanctifier le jour du sabbat. Hermelinda et moi sommes allés à l'église ensemble. Après avoir fréquenté l'église pendant 2 semaines, nous avons décidé de nous faire baptiser. Nos frères aînés étaient furieux quand ils ont appris que j'avais quitté l'église de notre famille. Ils m'ont menacé et m'ont battu. « Tu n'étudieras plus ici », a dit un frère. « Nous te ramènerons au village », a dit un autre. Mes frères m'ont forcé à abandonner mes études et à retourner avec eux au village. Ils m'ont fait manger du porc et aller à l'église avec eux le dimanche. Je me sentais si triste. Je devais m'enfermer dans la salle de bain pour lire la Bible et prier. Mais les menaces et les coups ont renforcé ma foi. J'ai décidé d'aimer Dieu de tout mon cœur et de respecter ses commandements. Les menaces et les coups ont duré 1 mois. Ma jeune sœur, heureusement, a pu rester dans la capitale. Elle m'a appelée pour me dire que l'église adventiste organisait un programme de formation de 2 mois pour les travailleurs bibliques. Je voulais plus que tout être un ouvrier biblique. Je voulais apprendre aux autres à connaître Dieu. Un jour, je me suis enfuie de chez moi sans rien dire à personne. Après 2 mois de formation, je suis devenue un ouvrier biblique. J'aimais mon travail et je me suis donnée à fond. Je priais quotidiennement pour ma famille et surtout pour mes frères. 2 ans ont passé et j'ai épousé mon mari, Reynaldo, qui est adventiste. Personne de ma famille n'a assisté au mariage. Grâce à Dieu, ma famille a recommencé à me parler. Je suis également reconnaissante à Dieu pour mes 3 enfants qui étudient maintenant dans la seule école adventiste du Timor-Leste. Veuillez prier pour mes frères et le reste de ma famille. Priez pour que l'école soit en mesure d'enseigner à de nombreux enfants Jésus et sa parole.